aller avec le vibrato, là, puis ça se désaccorde. C'est fou comme... Moi, il y a un truc que je capote, c'est ça ici, là. Quand tu fais une note, Van Halen. Ben, je trouvais que ça faisait une différence. Ben, ça fait une différence, mais ça fait-tu la différence que tu veux? C'est quoi? Ça garde tes aigus? Ouais, c'est oui, quand ça. Tu baisses la volume, tu perds pas les aigus. Ouais, ça arrive. Quand tu joues au volume, tu tombes flirté un peu. Ouais. Tandis que si je l'avais pas, jazz. Ben, ça serait comme un peu plus sombre. Tout a été fabriqué par le luthier. Il n'y a aucune pièce Fender. Le manche, c'est pas un manche Fender. Ah non, fabriqué, je peux pas dire. Peut-être qu'il faisait venir son manche. Puis ouais, il faisait venir, bien, c'est custom body. Mais ça file comme une guitare des années 60 quand tu y touches. Le relic, il est pas pire, je trouve. Ouais, il est quand même. Mais... Moi, je te dirais pour faire du. Faire du folk, là. C'est-tu plus court comme scale? Ça, c'est plus une guitare de pic. Ça, c'est plus une guitare de doigt, je trouve. F-16 AD. Ça, c'est la 12e frette, c'est ici, c'est ça? Ouais. Ben, tu continues à jouer, André? Je peux pas faire rien tout seul avec ça, moi, là. Qu'est-ce que tu veux que faire, ça? C'est pas comme un G-tuning, par exemple, c'est un autre genre de tuning. Ouais, c'est ça. Là, il est open. C'est un réouvert. Ouais, c'est un réouvert. C'est comme un country blues en ré, là. Modulation, il manque de rien, hein? I'm going on. Ça fait longtemps, mais nous, on fait ça. Moi, j'ai vu à la brique vers la fin. C'est place. Juste une brique. Thank you.
Elle aussi, elle n'est pas personne.